cool. Let me tell you what I up, baby. Cause I rock the nation, Jeezy. Baby, 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 how the. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente parce que j'ai deux rendez-vous. Et en vrai, genre, quand t'as des rendez-vous comme ça, ta journée, elle passe trop vite. Donc, mon premier rendez-vous, les amis, c'est un Candy Lips. Donc, je vais me faire ça aux lèvres. Ce n'est pas des injections, rien à voir avec tout ça. Et mon deuxième rendez-vous, c'est ma coiffure. Je suis trop contente, je vais me faire coiffer pour demain parce que demain, je vais à Toulouse. Et du coup, ben voilà, je vous dis pas ma coiffure, les amis. Vous le verrez bien dès que j'aurai fini. J'ai déjà faite et franchement, elle me va trop bien. Je l'aime trop, cette coiffure. Et voilà, donc là, je vais pas tarder à y aller puisque j'ai rendez-vous dans 30 minutes. Et voilà, je vous avoue que j'ai un peu peur, j'ai peur que ça me passe mal, mais il faut souffrir pour être belle, donc pas le choix. Ma folie t'en pète, les volumes en bas de la tour. Calibré si ça pète, on pète, même si tu fais le mort. Guinée quand comme MH, obligé de faire le mort. J'ai pété les trois fois. Ça y est, j'ai fini, franchement c'est une dinguerie. Alors je vous explique, je ne vous ai pas filmé quand j'ai fini, je suis partie du salon parce que c'était une catastrophe, c'est-à-dire qu'on aurait dit un babouin. On aurait dit j'avais fait 10 ml d'injection d'acide. Donc je vous disais les filles, franchement on aurait dit un babouin, donc impossible de vous filmer. C'était vraiment trop gonflé, là je sors de la pharmacie, j'ai acheté quelques médicaments, mais ça dégonfle et franchement c'est en train de dégonfler, donc je suis trop contente. Et en fait plus ça dégonfle, plus je vois le résultat en fait au niveau de la pigmentation. Donc c'est trop magnifique. Sinon les filles, pour vous parler plus précisément donc, du salon, elle propose vraiment plusieurs prestations au niveau des sourcils, au niveau des lèvres, tatouages, des tatouages. Franchement elle fait des trucs de fou. Donc de toute façon je vous ai mis son Instagram et vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Et même elle propose des formations, donc toutes les filles qui veulent se lancer dans ce métier, elle propose des formations et en plus de ça c'est payé par la CPF. Donc autant plus y aller quoi. Franchement c'est trop beau, je suis trop contente. Et c'est magnifique quoi. Fini le rouge à lèvres, fini même le gloss. Magnifique, moi aussi le gloss quand même, c'est le gloss quoi, mais fini le rouge à lèvres et c'est magnifique. Et les filles, faut savoir que ça reste donc de 2 à 3 mois, faut quand même aller refaire une retouche et après ça peut rester un an voire 2 ans, donc c'est le top. Mais juste quand même petit aparté, là je fais la belle, je suis trop contente, je vous parle et tout, mais il y a quelques minutes de ça, j'étais en bas de complet, limite je chialais parce que mes lèvres c'était horrible, on aurait dit un babouin. Je me suis dit, mais là, faut vraiment vite que ça dégonfle. Je pouvais pas rester comme ça, même je marche dans la rue, en fait, je veux pas que les gens me voient avec des lèvres de babouin, quoi. Donc, c'est bon, je suis trop contente, ça a dégonflé et c'est trop magnifique. Maintenant, je vais me faire coiffer. Les amis, vous avez grave kiffé ma coupe. Bon, en même temps, elle est incroyable, j'avoue. Non mais c'est vrai que cette coupe elle me va largement mieux que les tresses et tout ça, elle est vraiment incroyable. Juste les amis, je voulais vous parler d'un petit truc que j'ai acheté à Sephora. Donc en fait je l'ai vu sur TikTok. Voilà. Donc je sais pas si c'est bien, je vais la tester. Alors je mets jamais de fond de teint moi. Faut savoir, je mets que d'anti-cerne. Faut d'ailleurs que je vous fasse un tuto make-up, vous avez été nombreux à me le demander ça aussi. Donc je mets pas de fond de teint, pardon. Je mets que d'anti-cerne partout sur mon visage. Et là c'est vrai que j'avais envie de tester ça. C'est le fond de teint KVD. Je sais pas si vous connaissez. Genre apparemment il fait un teint incroyable. Et en fait c'est comme limite c'est comme de la poudre en fait. C'est pas vraiment du fond de teint quoi. Même si ça reste un fond de teint. Et avec ça du coup j'ai acheté le pinceau de la même marque. Et je vais tester ça demain. Et du coup je vous ferai un petit retour.
Et voilà les amis. Sinon les amis, en fait, je me suis fait coiffer pour demain. Parce que demain, du coup, je débarque à Montauban, à la boîte de nuit, le Link. Franchement, je vous explique, j'ai trop hâte. Donc tous les Montalbanais là, même les Toulousains, je vous attends, mais vraiment très nombreux. À la boîte de nuit, le Link, on va vraiment tout casser. Mais genre vraiment tout casser, genre c'est pas du violon en fait, on va vraiment tout casser. Et en fait de base je devais me faire coiffer bah du coup demain. Mais en fait j'ai l'avion très tôt le matin à 8h je crois. Donc la personne qui me coiffait elle était fermée quoi, normal. Du coup j'étais obligée de me faire coiffer là. Donc là j'ai repoussé, là je me suis fait coiffer à 6h. J'ai vraiment repoussé pour que vraiment mes cheveux soient intacts. Cette nuit je vous explique, je vais dormir comme ça. Je vais pas bouger tellement que je vais avoir peur qu'il y ait les cheveux qui se décoiffe, mais je vais mettre un foulard et tout, normalement il n'y a pas de souci. Mais du coup, tout ça pour vous dire que demain, soyez nombreux au Link. Je vous attends, vraiment, on va tout casser.